J'étais en train de parcourir Internet, Facebook, comme souvent, lorsque j'ai vu une publication du professeur Boîtier-Miller-Ramsès, qui fut aussi mon enseignant, mon professeur à la même période, annonçant le décès du professeur Dibi Augustin Kofi. Et j'ai fait ce test. Un autre homme brillant qui s'en va, un maître de la réflexion et de la pensée, un grand professeur de philosophie qui donnait vie et sens aux mots, tout en faisant sortir la philosophie du champ des choses difficilement intelligibles. Il fut mon professeur au département de philosophie de 1991 à 1994, durant 3 ans. Je garde un grand souvenir et d'excellents souvenirs de lui. Je reste fier de lui avoir laissé une excellente impression et d'avoir maintenu le contact avec lui jusqu'à une période récente. Ce que je retiens de lui, c'est que il disait que j'étais une perte pour la philosophie et que je devais poursuivre mes études pour arriver au doctorat, pour enseigner la philosophie et transmettre la connaissance et le savoir. Mais déjà piqué par le virus du journalisme, je n'ai pas pu poursuivre ses études comme il le souhaitait. Et à l'époque, c'était à sa grande déception. Mais plus tard, il m'a confié avoir été fier de savoir que j'arrivais à exceller dans le journalisme et que le regret n'était plus de mise. Merci, professeur et cher maître, d'avoir été pour moi cet inspirateur et ce modèle si humble et si discret. Merci pour tout, professeur. Adieu et que le Seigneur, le Tout-Puissant, Allah t'accueille à son paradis auprès de lui. Merci, professeur.